Voilà, comme ça. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter pour ce test en live. Hein. Nous sommes en live, nous sommes bien lundi 1er juin 2020. Et il y a 48 heures est sorti, donc enfin peut-être un petit peu avant, il y avait déjà une première version. Mais bon, il y a 48 heures, j'ai pris connaissance, enfin seulement hier en fait, de l'existence de ce jeu. Hein. Alors, on connaît toute la hype qu'il y a en ce moment autour de Street of Rage 4. Hein. Bon, je critique pas, hein, très très bon jeu, très bonne chose. Mais bon, peut-être avez-vous envie d'essayer des jeux gratuits. Alors là, dans ce cas-là, c'est également un jeu réalisé par des fans. Bon, pas des fans français, là, en l'occurrence. Je sais pas trop d'où ils sont, mais ils sont anglophones, plutôt. Donc, c'est Sonic 3D en 2D. Alors, je sais pas si vous avez connu le Sonic 3D à l'époque, sorti bon sur Mega Drive, certes, mais également sur PC. Donc, c'était un Sonic pas vraiment en 3D, à proprement parler, mais une 3D isométrique, hein, avec quelques niveaux en 3D également pas très maîtrisés. Mais bonsoir, est-ce qu'il y a du monde sur, parce que je vous entends pas, sur le Discord? Il y a du monde, mais ils sont discrets. Salut. Ah, salut, je vous entends. Donc voilà. Est-ce que vous voyez l'image en direct? Oui. Oui, ça va, c'est fluide, parce que j'envoie à la fois sur Discord, Twitch, Facebook, YouTube, ça marche pas trop, je sais pas pourquoi. Il y a un souci avec YouTube. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être que je reçois une notification. On va commencer, hein, vous en faites pas, on va bientôt commencer la partie. Je regarde si tout va bien au niveau de mes messages. Donc ce Sonic 3D qui était sorti en 96, hein, exactement sur PC et Mega Drive. Là c'est une réédition en fait. C'est pas vraiment une réédition, c'est un jeu inspiré qui réutilise en fait le Sonic 2D tel qu'on le connaissait au début de Sonic, quoi, hein, voilà, sur les trois premiers épisodes, on va dire, où bon, c'était de la bonne 2D à l'ancienne. Bon, là il reprend un petit peu ce concept, vous allez voir, c'est assez pixelisé, hein, évidemment. New Game, parce qu'hier j'avais déjà fait une partie. Donc ça commence par une intro un petit peu en image de fausse image de synthèse, on va dire. Voilà, j'espère que vous avez un peu de son aussi. Alors voilà, désolé pour ceux qui m'envoient des messages, je répondrai peut-être pas dans l'immédiat. J'essaye de suivre un petit peu partout. Parce que j'en ai de partout, là, des fenêtres ouvertes. Je vois qu'on a un petit peu de monde sur Facebook, ça fait plaisir. Merci les gars, hein. J'ai vu Ludo, Gwen, entre autres, qui étaient connectés. Ok, allons-y, allons-o. Alors, on retrouve... Voilà, notre Sonic en 2D, notre beau Sonic en 2D. Bon, qui met un petit peu de mal à démarrer, comme à l'époque, voilà. Alors, ça lag un petit peu chez moi, alors je suppose que chez vous aussi. Alors, les bruitages sont exactement ceux, voilà, les bruitages Mega Drive, quoi. Hein. Le petit bonhomme également. Voilà, donc l'accélération, ça se passe pareil, à part que là, on peut appuyer vers le haut et accélérer. Avant, on pouvait le faire qu'en appuyant vers le bas. Et là, il reste debout. Hop, hop, hop. Et si on prenait le temps un petit peu d'explorer? Alors, il a bien respecté l'univers, on va dire, Sonic, hein, des premiers Sonic. Hein, on retrouve ce décor en parallaxe, hein, vous voyez. Qui donne un petit peu de relief, hein. On voit les nuages qui bougent, hein, comme sur les versions japonaises du premier Sonic. Non, il s'est vachement appliqué. Enfin, ils se sont, je pense qu'il est, pas seul. Hein. Oh, il y a un gros anneau en dessous. Il faudrait qu'on y aille. Où est-ce que vous voulez qu'on finisse le niveau au plus vite?
C'est vrai que bon, ce qui est bien chez Sonic, c'est quand on va vite et qu'on finit le niveau vite. Mais bon, des fois, on a envie d'explorer. Moi, j'aime bien explorer, en fait. Ah, mince, on peut pas passer. Alors, c'est là. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai? Voilà, l'invincibilité, c'est bien. Enfin non, c'est un bouclier, c'est pas l'invincibilité, à proprement parler. Alors, j'espère que ça lag pas trop, parce que chez moi, ça lag un peu. Ah, bon, j'ai poussé le bouchon un peu loin, hein, Maurice. Là, j'ai mis vraiment un maximum de logiciels en même temps. Là, y a de tout. Hein. Y a Restream, Discord. Ah, et j'en vois en même temps un petit peu partout. Je regarde les messages après. Hein. Je sais pas si certains m'ont envoyé des messages parce que j'essaie de rester concentré sur le jeu. Voilà, même en restant concentré sur le jeu, je reste un joueur assez nul, on va dire. Hop là. Évidemment, au bout de 100 pièces, on a une vie, mais bon, je pense que je ne les atteindrai pas. Et vraiment, il réagit, mais vraiment pareil, quoi. C'est le Sonic de Mega Drive, quoi. C'est vraiment lui, quoi. Ah, le checkpoint. Voilà, au cas où on crève, hop, on pourra recommencer ici. Vous vous demandez sûrement où je vais. Eh bien, moi aussi. D'accord. Donc on va aller plutôt de l'autre côté, allez. Et là, comment on fait si on veut casser les trucs? Pour ça, moi, je sais pas moi comment on fait pour casser en hauteur. On va essayer de prendre de l'élan. Nine. À mon avis, that's impossible. Donc, allons par là. On va voir si il y a un passage par là. Il y avait un passage tout à l'heure par là. Oh merde, on arrive là. Oh. Ça va, ça lag pas trop. Je suis vraiment désolé si ça lag, parce que même chez moi, hein, ça lag. Mais sinon, bon, en condition normale, j'ai essayé le jeu hier. Vraiment en condition normale, le jeu est hyper fluide, quoi. Ouais, bah en fait, j'arrive au même endroit. Je suis vraiment débile, là, vous pouvez le dire. Hein. Et comment je peux casser ça, moi? Bon, sinon, faut aller où, à votre avis? Il réagit vraiment pareil, c'est vraiment bien foutu. C'est juste moi hein, qui suis nul en fait. Hein. J'ai peut-être trouvé une issue. Et voilà, et bien sûr. Toujours des piquants partout. Non, franchement, les gars qui ont fait ça, franchement pas mal. Bon, et puis bon, l'avantage qu'il a, c'est vraiment d'être gratuit aussi. Donc là, il reprend un petit peu les codes graphiques du premier niveau du Sonic 3D, adapté donc voilà à l'ancienne en 2D. Ah, il y avait une vie! Oh non, j'ai loupé la vie! Bon, c'est pas grave. C'est marrant. Ah, Docteur Robotnik, déjà. Eh b.
j'avais même pas pu l'éviter. Et oh, oh, oh. Ah, je croyais qu'il allait me foncer dessus. Donc il a récupéré des émeraudes de différentes couleurs et qu'il va bien sûr falloir récupérer, je suppose. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut se battre? Je suppose qu'il faut évidemment le battre en lui sautant sur la tête quand il n'est pas en boule. Parce que quand il est en boule, ça ne sert à rien. Le tout, c'est qu'il ne crève pas pendant... Qu'est-ce qu'il fait? Crache du feu? Hop là. Allez, encore quelques coups, je pense qu'il va bientôt crever là quand même. Non? Voilà. J'en profite un petit peu pour regarder les messages, c'est des messages. Ça lag, ça bug. Je vais tester sur Twitch. Ah oui, s'il te plaît, dis-moi sur Twitch si ça va. L'interprète de la musique, s'il vous plaît, monsieur Gwen, oui. Alors, sur Twitch, comment ça se passe? Après, c'est normal que ça lag sur mon ordi, hein, je suis vraiment désolé. Faut vraiment que je ferme, je vais fermer quelques logiciels. Je suis obligé là parce que. Hop. Oui, attendez, hein, j'arrive, je passe au deuxième niveau. Voilà. Est-ce que quand on saute dessus, ça fait quelque chose? Nine. Donc c'est bien, il reprend le style musical, c'est vraiment le son Mega Drive, c'est très très fort. Et les sonorités, les bruitages, c'est tout Mega Drive. Act 2. Allez, on va essayer d'expédier ça un petit peu plus vite que tout à l'heure. Toujours une surprise, évidemment, c'est la première fois que je fais ce niveau-là. Je ne savais pas. Hop, manque d'élan. Allez, on reprend hop, un petit peu d'élan. Et ça va mieux. Je sens que j'ai évité plein de trucs là qui étaient sûrement très intéressants. Alors, est-ce que dans l'eau. On a besoin de récupérer de l'air pour respirer. Oh, une vie! Je regarde juste s'il s'étouffe dans l'eau. Pour info personnelle. Oui, effectivement, il s'étouffe dans l'eau. Donc il faut vite ressortir avant de crever. Oh, laisse-moi. Il y a un petit passage là, je crois, non? Ah, non, je vais aller dans le passage. Mais comment faire avec ce... Ouais, bon, c'est bon, allez, c'est pas grave. Allez, allons de l'autre côté, on verra bien. Salopard. Mais qu'est-ce qui m'a touché? Reste pas, Jordan. Mais non, t'inquiète. Je maîtrise la situation. Ouais, il est plutôt bien fait ce jeu-là. Bon, sauf qu'il a mis des piquants un petit peu partout. Et ça fait chier. Nardine. Putain, je suis de l'autre côté. Bon, allez, c'est pas grave. Tombons dans le vide, on verra bien. Je crois que je suis déjà passé par là, non? Checkpoint, je l'avais pris. Allez, on repasse. Allez, on repasse par là, c'est pas grave. Recommençons de plus belle.
Ok. Donc là, il était déjà. D'accord, on va y arriver, on va y arriver. Hop là! Voilà, j'ai tout évité sans chercher à comprendre, j'avance. C'est dommage, on a sûrement loupé pas mal de choses. Et me voilà en train de crever. Appréciez. Appréciez le travail. Ouh le connard. Il a essayé de me niquer là. Putain, il a réussi à me niquer quand même. Est-ce que j'arriverai en sautant d'ici à aller sur le truc là-bas? Non, je crois qu'il vaut mieux prendre de l'élan par là. Allez. Non plus. Voilà, crève. Crève, voilà. Salopard. Voilà. Qu'est-ce que je suis fort. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je regarde juste un petit coup sur Twitch. J'ai fermé la fenêtre parce que ça prenait de... Est-ce que vous allez bien sur Twitch? Est-ce que c'est fluide? N'hésitez pas à laisser un petit message. Et sur Facebook aussi, n'hésitez pas à me dire si c'est assez fluide ou si ça lag un peu. Alors, allez, on va essayer de pas crever. Et c'est bien parti pour. Je suis vraiment nul. Vous allez voir que je vais sauter juste quand le poisson va monter. Hop. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Fallait toujours qu'il y ait un connard. Ils ont mis quand même pas mal de... Comment dire ? De méchant, hein, j'allais dire un gros mot. Allez, prenons le temps d'explorer un petit peu. Tout à l'heure je suis allé trop vite. Je sais que bon, la spécialité de Sonic c'est justement de courir très vite et de traverser les niveaux en une fraction de seconde. Ce serait bien que je trouve une pièce là, tu vois, par contre. Ah voilà, par exemple. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de beau par là? Je sais pas, je saute dans le vide. Nothing. Ok. Ok, ah oui, on revient là où j'étais tout à l'heure. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quelle bonne idée. Mais pas fluide du tout. Alors. Pas fluide du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pédale. Alors, faut espérer que ça revienne par moment. Qu'est-ce que je vous dise? Attends, sur Restream, c'est comment? Sur Restream, ça va. Hein. Alors, c'est entre Restream et Twitch qui a un souci. Je pourrais pas faire mieux. Parce que moi, sur mon aperçu Restream... On est plutôt pas mal. Je vais pas dire que c'est de la fluidité exceptionnelle. Mais on est quand même dans les 20 images secondes, quoi. Évidemment, ne vous attendez pas à du 60 FPS. Avec les connexions de merde qu'on se paye ici, à Porto Vecchio. Hein, je ne critique personne. Je dis juste qu'on a des connexions de merde à Porto Vecchio. J'ai le droit de le dire, ça. Non, parce que des fois,
Quand je dis des choses, les gens cherchent le message caché en dessous et qui je critique. Je ne critique personne. Je dis juste qu'on a des connexions de merde. Donc on est encore au Moyen-Âge de l'Internet. Oh putain. Et surtout, ne parlez pas en jouant. C'est pas bon. Mais quel... Vous avez vu, je n'ai pas dit de gros mots. Ah, on va essayer d'utiliser cette plateforme là. Ça doit bien servir à quelque chose. Ah ah, l'accélération. Ah, la mort. Ah non, je vais me retrouver comme tout à l'heure. Oups. Je sens que j'ai pas fait le bon choix. Je sens que je vais me retrouver là où j'ai crevé tout à l'heure. Donc on va pas faire ça. Pourquoi tu t'arrêtes? Reviens. Aïe, aïe. Petite seconde. Allô? Salut. Ça va? Ça va, je suis en plein stream. Non, mais c'est pas grave. Oui, ça doit être bon, hein. C'est un lundi? Mardi? Ouais. Ça va aller. Je vais voir Jean. Je vais essayer de voir Jean-Paul demain si je peux lui. Ah, je vais en parler. Non. Non, non, j'ai pas eu Rudy. Ça marche. Ok. Allez, ciao, plus. Hop, excusez-moi. Me revoilà. Je sais plus où j'en suis. Alors, faut aller. Allez, on va utiliser ça. Ah, et l'autre qui me fonce dessus comme ça. Non, mais c'est gratuit en plus. Je ne sais pas où je vais. En tout cas, tu m'as tué avec le téléphone. Ah ouais, ne me téléphonez pas quand je joue, les gars, bordel. En plein live, bonjour. J'ai l'habitude. Je m'en doute. Le pire, c'était quand je faisais des fois des lives au boulot et seulement je me connectais en 4G. Et le problème, c'est que dès que quelqu'un m'appelle, eh ben ça coupe le jeu, quoi. Ah ouais, non, c'est chiant. Enfin, ça coupe le jeu. Non, ça coupe pas le jeu, ça coupe le réseau, quoi. Donc, combien de fois j'ai fait des lives, ah ouais. Ouais, qui étaient coupés en plein milieu. Bon, mais là, ça va, c'est... J'ai réussi à assurer quand même. Hop, checkpoint, super. Ah, ça sent le Robotnik là. Hop, je suis caché, je reviens. Hop, je suis caché. Oh putain, oh putain. Oh putain, je me cache. Ah, je peux plus me cacher. Putain. Oh putain. Oh putain, mais quelle bonne idée, Charlie. Ah d'accord, c'est pas la boule qu'il faut tuer, c'est lui. D'accord, je viens de comprendre. Je suis un peu con, hein. Oh putain, mais où vous voulez que j'aille? Ma pièce! Bon, c'est pas grave. Pardon. Comment game over? Ah, je pars. Comment game over? J'ai plus de vie. Putain, oh. Ah, mais dites pas qu'il faut que je recommence depuis le début. Eh ben si. Mais non, c'est pas possible. Salut Christophe. Christophe qui vient de... Enfin, qui s'est connecté il y a 8 minutes et je lui réponds 8 minutes après. Eh ben oui, ça recommence. Alors, ce qui est bien... Alors, on va essayer avec un autre personnage. C'est que ce jeu permet de jouer... Non pas seulement avec Sonic, mais avec également Tails et Knuckles, hein, qui sont les personnages secondaires des précédents Sonic. Restart. C'est quoi extra, on s'en fout. Continue. Ah oui, mais ça c'est la partie que j'avais fait hier, non? Oups. Ouais, bah ça sert à rien.
Comment on revient? Comment on revient? Nardine, ça s'est bloqué. Oh, bon allez, je le relance. Je le relance. C'est pas grave. Ah, dites bonjour à Kobe Bryant. Hop là. Donc comme ça, on va essayer d'utiliser ou Tails ou Knuckles. Je pense Knuckles c'est mieux parce que Tails c'était vraiment... Enfin, à moins qu'on puisse voler avec, ça peut être bien. Je sais pas si... On va voir ça. Ah. Oui, Natacha, tu disais quelque chose, j'ai rien compris, j'ai entendu des sons bizarres. Oui, j'ai un problème de cours. En fait, Tails, oui, il peut voler. Alors, on va essayer. Mais est-ce que dans cette version, il peut voler? C'est ça la question. Oui. Je sais très bien que normalement il sait voler. Oui, c'est ça la question. C'est ça la question, et on va le savoir tout de suite. Hop, alors essaye de voler mon ami. Oui, oui Coco, ça c'est bien. écoute, ça c'est une option sympa. Ouais, gros. Ouais, ça c'est bon ça. Oh là là, on va se terminer le niveau trop facile. Ah oui, fatigue, il fatigue. Oui, oui, oui. Allez, on évite tout. Oh, on va même pouvoir trouver des niveaux cachés. Oui, fatigue, fatigue, fatigue. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Non, vole pas. Tombe sur le truc. Tombe. Ça, par contre, c'est... Là. Oui, non, je veux les pièces. Oh, putain, des cons. Putain! Les pièces, donne-moi les sous! Le fera exprès. Voilà! Allez, vol, 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 vol. Alors, est-ce que je vais pouvoir exploser ces trucs? Non, toujours pas. Est-ce que je vais pouvoir voler assez? Pour hop, aller au-dessus. Non, c'est pas grave, on recommence. Ouais, gros. Oh, comme c'est bon. Bon, c'est une autre façon de jouer, c'est sûr. Oh, c'est pas désagréable. Ça nous permet d'admirer ce magnifique scrolling en parallaxe. Descends prendre des pièces s'il te plaît, on va se faire crever. Descends, descends, descends. Mais saute-lui sur la gueule. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est juste histoire d'avoir quelques pièces. Où est-ce qu'il vaut mieux que je descende? Checkpoint. Non, on va... Ah! Le voilà où. Je sens que ça va être un petit peu plus dur qu'avec Sonic, quand même. Non. Mais... Oh là là, ouais, c'est un peu... C'est autre chose. En fait, faut pas appuyer plusieurs fois, c'est ça, non? Ouais, faites comme dès que vous appuyez plusieurs fois, il vole évidemment. Salopard, pourquoi tu as volé? Prends la pièce! Voilà. Mais comment ça? Oh là là, le tricheur. Descends quand tu veux. Mais oui, eh oui, si ce con il était descendu de suite, j'aurais pas eu ce souci. Ce n'est pas grave, j'ai d'autres vies. J'espère que vous avez assez de son, j'ai pas mis très fort, mais...
Bon, je pense que oui. Allez, avance. Oh, le con. Comment, c'est pas possible. Je sens que je vais avoir beaucoup de mal. Trop loin. Ah! Il est trop lent. En fait, ils l'ont fait lent comme sur la Mega Drive européenne. Bon, en même temps, c'est comme ça qu'on l'a connu. Donc, j'imagine que ce sont pas des Japonais qui l'ont fait, ce truc. Ou des Américains. Mais non! Mais qu'il est bête! Mais qu'il est bête! Et voilà. Et en plus, il prend pas l'anneau. C'est idiot. Tu descends quand tu veux, hein? Là, j'ai cru que j'allais crever, là. Et lui, il peut pas crever, des fois. Oh. Oh putain, ce serait bien qu'il crève, là. Vite, parce que j'ai plus de pièces. Mais qu'est-ce... Pourquoi il vole? Pourquoi il vole? C'est toi qui contrôle le perso, non? Non, non, c'est... C'est le voisin. Du coup, c'est un peu toi qui est bête, non? Et c'est moi qui est bête! Ouais, c'est moi qui est bête! Mais en fait, quand il se prend un coup et qu'il a envoyé loin, il vole. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé. La réussite, pas... Non, mais t'inquiète, habitué, Sonic tourne dans la bétonnière, ça se fige. Pas mal, parfois sympa le jeu, c'est une robe dispo où? Alors, dans le descriptif, quelque part. Alors. Sinon, j'essaye de vous recopier le lien. Normalement, je l'avais mis dans le descriptif, mais sur Twitch, ça l'a peut-être pas mis. J'essaye de vous envoyer le message. J'espère qu'il va l'envoyer de partout. Tant pis pour les pièces, on s'en fout. Je vous rassure, chez moi non plus, c'est pas super fluide. Hein. Pour ceux qui se disent que ça lag chez eux, non, déjà ça lag chez moi. Quel idiot. Quel idiot. Allez, vole, vole! Ayez sangué, vais crever! Non, c'est bon. Non, pourquoi je. Putain! M'apprendra. Allez, vole! Alors, à 67 mégas, donc ça ne tourne pas... Non, c'est pas une ROM, c'est un exé sur PC. Oh, putain, pourquoi je parle en même temps, moi? Oh, il y a un truc caché. Ouais! Ouais! Un niveau bonux! Le niveau bonux! Oui, voilà, je suis mort. Voilà, j'ai pas pris une pièce. Si, deux. Hop là, non, fallait faire comme ça. Voilà, moins vite, moins vite. Hop, évidemment, j'ai tout loupé. Hop là. Pas assez de rings. Très bien. Je savais que j'étais fort.
donc il faut que je retrouve. Eh oh les gars, ah oui, voilà. Aïe 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 aïe, vol 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 vol. Évitons les soucis. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Vol. Et le voici. Donc là, si j'ai bien compris, évidemment, il ne faut pas se prendre la boule. Oh purée! Et je n'ai plus l'anneau. Voilà. Et je ne sais pas où je suis. Ah, parce que je suis mort, tout simplement. Par l'air, c'est là qui est le mieux encore. Mais non, quel idiot! Quel idiot! Putain! Donc voilà, je pense que c'est ici que va s'arrêter le live. Parce que évidemment j'ai touché un pixel, comme vous avez vu, de la pointe qui tournait autour du vaisseau. Est-ce qu'on essaie avec Knuckles? J'aime pas Knuckles, moi. J'aime pas, il a une tête de... il a une tête qui me revient pas. J'en fais une dernière avec Knuckles, histoire de voir à quoi il ressemble. Et après basta, hein. C'était juste histoire de présenter un petit peu ce jeu qui, au final, n'est pas si mal. Allez, let's go avec Knuckles. Comment ça? Je lui ai sauté sur la gueule, c'est pas possible, il aurait dû crever lui. Comment on fait pour s'accrocher contre le mur? Tout à l'heure il a réussi. Bordel de merde. Évidemment, quand on lui saute dessus, on crève, c'est tout à fait normal. Ah, avec lui on peut... Ah, et on peut crever aussi. Et je sais pas par où il faut passer.
Alors, salut, c'est normal que ça ne live pas sur YouTube. Oui et non, je n'arrive plus à diffuser sur YouTube les lives, je ne sais pas pourquoi. Et plutôt que de chercher pendant un quart d'heure, je me suis dit commence parce que c'était lancé sur les putain, sur les autres lives. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Ah putain. Allez! Ça c'est le problème quand je parle et que je joue en même temps. Alors je sais que les joueurs de Fortnite, eux, ils y arrivent très bien, hein. Pourquoi il fait ça, ce con? Non! Voilà. Putain de merde, je l'ai pas vu arriver. Oh, j'ai cru qu'il allait me toucher lui, tu vois. Là sur ce coup-là, ils ont été sympas, mais ils n'ont pas été très sympas non plus. Hop là. Putain de sa mère. Voilà. Je lui ai niqué sa race. Je sais que ça envoie les données à YouTube, mais peut-être qu'il sera diffusé qu'en replay, c'est pas trop grave. S'il y a le replay, c'est déjà pas mal. Le pire, c'est que c'est pas que je le savais, mais bon, je le sentais venir. Suivons la flèche. Yeah! C'est pas très agréable à regarder quand ce n'est pas fluide. En fait, j'aurais dû redémarrer mon PC et voilà. Et ouvrir beaucoup moins de fenêtres, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai voulu faire un maximum de choses en même temps. Et évidemment, ça se retourne toujours contre moi. Et encore, heureusement qu'on n'est pas sur Fortnite, parce que Fortnite y prendrait encore plus de ressources. Notamment au niveau du réseau. Et crève. Non, ah non, j'ai cru qu'elle allait crever. Par contre, je pense pas aller au bon endroit là. Si, non. Peut-être. Continuons à avancer, on verra bien. Mais. Est-ce que vous voulez que j'aille quelque part là? Voilà, c'était bien la peine de récupérer toutes ces pièces pour les perdre de suite après. Alors, hein, on va peut-être passer par en bas. Non, oula, les piquants! Les piquants! Oh,
l'enfoiré. Et voilà. Bon, on va arrêter là. On va pas aller plus loin parce que de toute façon, c'est inutile. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le jeu. Pas facile, hein. Surtout pas facile quand on est nul, évidemment. Non, mais très 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 bon jeu. Et bon, voilà, une très très bonne alternative au Sonic 3D, 3D isométrique qui était sorti à l'époque. Voilà, là on retrouve la 2D classique. Non, c'est super, c'est super. Ils ont bien travaillé. Je me demande si c'est pas les morceaux musicaux même quasiment de Sonic 3D. Hein. Ils se sont pas fait chier. Hein. J'ai pas souvenir parce que c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Hein. Moi, c'était Sonic 1, Sonic 2. Les autres, je les connais pas trop. Hein. En tout cas, merci d'être venu. Hein, ça fait plaisir. J'espère que vous avez découvert quelque chose ce soir, notamment que j'étais très mauvais hein, à Sonic. Et pas qu'à Sonic, hein, diront les mauvaises langues. Mais voilà, donc c'était histoire de partager ça. Je remercie Jekt qui m'a fait découvrir ce jeu hier. Et bon, je vous remercie à tous d'être venus me voir sur Twitch, sur YouTube, même si... non, pas sur YouTube, parce que enfin, YouTube, ce sera peut-être après, sur Facebook. Et on se donne pas rendez-vous, on verra bien. Ouais, dans la semaine, je pense refaire une vidéo, peut-être pas un live. Bon, si j'ai reçu mon colis, on fera une vidéo sur le colis. Et sinon, on fera sûrement un petit live. Voilà. Bonne soirée, à très bientôt. Bye bye.